Le palais de Marivent, dans les Baléares. La résidence d'été de la plus célèbre famille d'Espagne, la famille royale. Comme tous les ans depuis 38 ans, elle prend la pose pour sa traditionnelle photo de vacances. Une famille idéale, trois générations unies autour du roi Juan Carlos, icône des Espagnols, symbole de la démocratie dans le pays. Le couple royal, leurs enfants mariés et des petits princes qui font le bonheur des photographes. Cette jolie photo date de 2007. La monarchie est alors à son apogée. C'est la dernière qu'ils feront tous ensemble. Depuis, la famille a éclaté et le royaume espagnol est ébranlé par une série de scandales. Un roi qui mène grand train et part au bout du monde tuer des éléphants dans des safaris hors de prix. Une reine humiliée depuis des années par les infidélités supposées de Juan Carlos. Un gendre qui aurait détourné des millions d'euros et risque aujourd'hui 10 ans de prison. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi Juan Carlos, le roi populaire, est-il devenu un roi maudit? Nous allons vous raconter la chute d'une famille qui s'est crue invulnérable. Enquête sur le crépuscule d'un roi. Le Palais Royal à Madrid est la résidence officielle des rois. C'est ici qu'ils accomplissent l'essentiel de leurs activités publiques. Une forteresse aux traditions inchangées depuis des siècles. Nous voulons approcher la famille royale. Pour cela, nous nous accréditons. Après un mois de vérification, on nous accepte parmi la quarantaine de journalistes de la presse royale. Toutes les semaines, on nous enverra l'agenda de la couronne et les activités auxquelles nous pouvons assister. Premier jour et première convocation, une parade militaire. C'est Juan Carlos, le roi, qui s'y colle. Les défilés, c'est son rayon. Il est le chef des armées en Espagne. Mais après 38 ans au garde à vous, le roi commence à vaciller. Sur ses béquilles, le premier des Espagnols n'est plus que l'ombre de lui-même. Souvent à l'hôpital, ses apparitions n'attirent plus que quelques journalistes et une poignée d'irréductibles. Elles ne durent jamais plus d'une dizaine de minutes. Le jour suivant, la presse a rendez-vous à l'Opéra de Madrid, avec le prince héritier Felipe et la princesse Laetitia. Jeunes et beaux, ils sont les mannequins royaux, la vitrine de la monarchie. Le prince Felipe est sportif, éduqué aux États-Unis, formé pour succéder un jour à son père. Sa femme Laetitia est une ancienne star de la télé. Ex-présentatrice de JT, c'est aujourd'hui une icône de la mode en Espagne. Pour le rendez-vous d'après, nous sommes convoqués au Salon des animaux de compagnie, avec la reine Sophie. Vous savez, moi j'ai un bichon maltais. Dans l'Espagne royale, la femme du monarque doit s'occuper de bonnes œuvres, de charité et d'animaux. J'adore les chats. L'épouse du roi d'Espagne est aussi fille du roi de Grèce. Pourquoi vous l'avez rasée comme ça? Elle est née pour ce rôle. En aristocrate professionnelle, elle assure le spectacle au milieu de la foule et des photographes. Car à chaque fois, c'est le même rituel pour la presse. Nous sommes strictement encadrés. Mets-toi là-bas avec tous les autres. Cherche-toi une place là-bas. Une quinzaine de gardes du corps nous tiennent à distance. Contrôler son image, dans ses moindres détails, c'est l'obsession de la famille royale.
Pour mieux comprendre comment la monarchie fabrique son image, nous allons suivre un habitué de ce club très fermé. Roberto est un photographe espagnol, accrédité à la couronne depuis des années. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous traditionnel qu'il ne manque jamais au palais. Les audiences du prince Felipe. Alors comme d'habitude, c'est veste et cravate obligatoires. Pour travailler, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais il faut respecter les règles. Sinon, ils te mettent dehors, tout simplement. Ton apparence, mais aussi ton comportement est contrôlé. Il est interdit d'adresser la parole aux membres de la famille royale. Et encore plus de leur poser une question. C'est silence absolu. En costume cravate, tu fais tes photos. C'est un autre monde. C'est différent. Roberto et ses collègues ont rendez-vous à l'entrée de la Zarzuela, un autre palais des rois, situé un peu en dehors de Madrid. Sur place, interdiction de prendre sa voiture. Tout le monde est embarqué dans un bus. La famille royale ne veut pas d'image volée de sa propriété. Nous arrivons à la salle des audiences. Comme d'habitude, ce sont les gardes du corps qui installent les journalistes. Les gars, vous reculez, vous restez bien au fond. Leurs Altesses Royales, les princes d'Asturie. Première audience du jour, les princes reçoivent les meilleurs élèves d'un collège du sud de l'Espagne. Roberto et ses collègues ont 3 minutes pour tout photographier. Silence absolu. Personne n'a le droit de parler ou d'interpeller le couple princier. Ni les photographes, ni même les invités. Les gars, en arrière, en arrière. À part les ordres des gardes du corps, on n'entend que les crépitements des appareils photo. Allez, on sort, on sort. Les journalistes sont raccompagnés dans l'antichambre. Ils vont devoir patienter 1 heure avant la prochaine session. C'est toujours ce rythme, et c'est très répétitif. On attend des heures pour quelques minutes. Nouvelles entrées princières, nouvelles poignées de main. Le même ballet absurde et silencieux se reproduit 3 fois de suite, à l'identique. Avec des professeurs d'université ou avec des enfants handicapés. De retour chez lui, Roberto envoie ses photos à son agence. Lisse, ultra contrôlée, elles donnent au final une image très positive du couple princier. Je crois que la photo du jour va être celle-là. Parce qu'ils se regardent, qu'ils ont un geste frais, charmant, et parce qu'aujourd'hui, c'est leur anniversaire de mariage. Je peux parier que tous les journaux vont titrer « Les princes ont fêté leur anniversaire de mariage en travaillant ». Pas question de risquer une image différente. La presse espagnole ne publie que des photos favorables à la famille royale. Roberto en a fait l'expérience il y a 2 ans. J'ai fait ces 3 photos qui montrent, vous voyez, que la princesse ne va pas bien, qu'elle n'est pas en bonne santé, elle a des troubles de l'alimentation. Elle n'est pas que maigre, elle est clairement obsédée par les régimes. Et cette photo n'a jamais été vendue en Espagne, mais elle a été publiée en Allemagne. Ça montre bien ce qui est permis ou pas. On ne peut pas évoquer l'anorexie de la princesse, ce sont des choses qui ne se disent pas dans ce pays. Une communication ultra verrouillée, avec de belles images à la une des journaux. Pourtant, en avril 2012, une simple photo, comme un grain de sable, va gripper toute la machine. Le portrait de Juan Carlos, posant devant le cadavre d'un éléphant. Le roi revient d'un safari luxueux
à 45 000 euros la semaine. La photo fait la une de tous les journaux. Ses vacances devaient rester secrètes. Mais le roi s'est brisé la hanche au cours d'une chasse. Il a été rapatrié en urgence. À ses côtés sur la photo, l'organisateur de ces safaris. Sur le site internet de sa société, voici les chasses qu'il vend à sa clientèle VIP. Il existe un endroit où les géants se promènent en liberté. Bienvenue dans le delta d'Okavango. Et bienvenue au paradis. Un safari 5 étoiles où des chasseurs fortunés abattent des éléphants. Un hobby étrange pour le roi d'un pays en faillite et accessoirement le président du WWF espagnol. La petite escapade de Juan Carlos va se transformer en affaire d'État. Car la photo choque en profondeur, même chez les monarchistes les plus convaincus. C'est dans les quartiers populaires, fidèle au roi depuis toujours, que Juan Carlos a le plus perdu de ses soutiens. Juanjo est un de ces monarchistes déçus. Sans emploi depuis 3 ans, le jeune homme vit avec son frère au chômage lui aussi, et son neveu, dans l'appartement de leur mère. Elle touche une retraite de 500 euros par mois, sur laquelle ils vivent tous. Alors le safari royal a du mal à passer. Tout cet argent que cette famille gaspille, alors qu'on pourrait en faire autre chose, c'est ça qui nous a fait réaliser. On s'est dit, mais pourquoi on donne tant d'argent à cette famille? Ils n'en ont pas besoin. Ils ont tout, des terres, de l'argent, tout. Tu te dis, mais pourquoi moi en mettre pas un peu? Des millions d'Espagnols vivent la même situation que la famille de Juanjo. 27% de la population est au chômage et survit sans aucune aide de l'État. Toutes les semaines, Juanjo en est réduit à récupérer de la nourriture gratuite dans les banques alimentaires qui ont réapparu un peu partout. Juanjo a pourtant toujours travaillé. Avant, il était commerçant. Regardez, j'ai travaillé et cotisé pendant 16 ans à la Sécu. 16 ans, c'est pas des histoires. Là, ça fait plus de 2 ans que je suis au chômage. Mais c'est pas parce que je veux pas bosser. Du travail, il n'y en a plus. Juanjo dépend de sa grand-mère. Parce qu'elle est âgée, c'est elle qui a droit à l'aide alimentaire. J'ai vécu la guerre quand j'étais petite, mais je l'ai mieux vécu qu'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, je ne devais pas mendier ma nourriture. Il y a du poulet. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est bon, t'as tout? Tu peux l'emporter maintenant. La nourriture que Juanjo a récupérée vient d'un supermarché du quartier qui donne ses invendus. Mets les patates au fond du sac. La crise est profonde. Elle va venir à bout de l'incroyable popularité du roi. Pendant ses 38 ans de règne, Juan Carlos a bénéficié de 90% d'opinions favorables. Pourquoi le monarque était-il aussi aimé ? Pour le comprendre, il faut remonter aux années 30, jusqu'à la fracture la plus profonde de l'histoire espagnole. La guerre civile. Elle éclate en 1936. Le général Franco fait tomber la République et installe une dictature d'extrême droite qui va durer 40 ans. Novembre 1948. Sur un quai de gare, Juan Carlos entre en scène. Ce petit garçon, c'est lui, à 10 ans. Il est le fils d'un roi en exil. Les hommes de Franco sont venus le chercher. Le dictateur l'a réclamé. Pour rencontrer un spécialiste de cette période, il faut aller à Londres. Paul Preston est le seul historien à avoir écrit une biographie fouillée de Juan Carlos. Il a été littéralement kidnappé par Franco. C'est comme s'il avait été vendu en esclavage par ses parents.
Parce qu'en 1948, Franco a passé un marché avec son père. Soit vous m'envoyez votre fils pour que je l'élève en Espagne, soit il ne sera jamais roi. Franco n'a pas de fils pour lui succéder. Alors il va se charger personnellement de l'éducation de Juan Carlos. Toute l'éducation de Juan Carlos va tourner autour de l'obsession de Franco, la plus importante, perpétuer le régime. Franco, mentor de Juan Carlos, il va même le protéger lors d'un événement terrible et méconnu qui aurait pu lui coûter son trône. 4 avril 1956, on enterre le petit frère de Juan Carlos, Alfonso, tué d'un coup de revolver. Juan Carlos est là, en uniforme. Il a 18 ans. Dans le cortège, personne ne s'en doute, mais c'est lui qui a tué son frère. Franco va le couvrir. D'après la version officielle, validée par le dictateur lui-même, Alfonso se serait tué tout seul, à un accident en nettoyant son arme. Le drame s'est joué ici, au deuxième étage d'une maison de famille au Portugal. Alors qu'ils jouaient tous les deux, Juan Carlos tire involontairement une balle dans la tête d'Alfonso. L'historien Paul Preston est le premier à avoir révélé cette affaire. J'ai fait une reconstitution de cet événement. Le bras de Juan Carlos a sans doute été dévié par une porte qui s'est ouverte et le coup est parti comme ça. Mais sur les détails exacts, il n'y a qu'une seule personne qui connaît la vérité. En fait, j'ai posé la question au roi. Je lui ai demandé si ma version des faits était correcte. Et il m'a dit, c'est vrai. Étouffé par Franco, l'affaire est encore taboue en Espagne. Juan Carlos en gardera une dette envers le dictateur, à qui il rendra hommage régulièrement, comme dans une interview pour la télévision suisse en 1970. Pour vous personnellement, que représente le général Franco ? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique envers en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiration. Juan Carlos, fidèle de Franco, le dictateur d'extrême droite. Il va devenir son successeur en novembre 1975. Españoles, Franco. Ce jour-là, Juan Carlos est le premier à venir saluer la dépouille du dictateur. Le soir même, la monarchie est rétablie. Il est proclamé roi d'Espagne. Je jure devant Dieu et les saints de l'Évangile de respecter les lois du royaume et de rester fidèle aux principes du mouvement national. C'est alors un retournement historique sans précédent. Sous la pression internationale et celle de la société, les barons du franquisme acceptent un changement de régime. Des élections sont organisées. Les partis interdits sous la dictature sont de retour. C'est aussi une ère d'incertitude et de tensions très fortes. Le roi va se transformer en rempart. En 1978, la nouvelle constitution en fait un personnage clé. Chef de l'État, il est inviolable et irresponsable. Le 23 février 1981, l'Espagne va en faire son héros. Un militaire tire en plein Parlement. C'est un coup d'État. Les ultras du franquisme veulent reprendre le pouvoir. L'Espagne panique, croyant revivre la guerre civile. José Luis Zapatero, ancien Premier ministre, avait 18 ans à l'époque. Je me rappelle parfaitement de ce jour-là. J'étais étudiant en droit à l'époque. J'étais en train de préparer un examen de finances publiques. Et tout à coup, on a appris comment des militaires prennent d'assaut le Parlement. Notre souveraineté nationale est attaquée. Une fois de plus, dans l'histoire espagnole, on était très inquiets. Et puis, on a vu le roi. En pleine nuit,
Juan Carlos annonce à la télévision qu'il a mis fin au coup d'État. La couronne, symbole de la permanence et de l'unité de la patrie, ne peut tolérer d'aucune façon les actions de personnes qui prétendent utiliser la force pour interrompre le processus démocratique. L'instant va électriser tous les Espagnols, même à gauche. Zapatero n'avait pas le profil d'un monarchiste. Socialiste, petit-fils d'un républicain fusillé, il devient pourtant ce jour-là un des plus fidèles admirateurs du roi. L'Espagne est tombée amoureuse du roi le 23 février. Les plus grands pays, les grandes nations doivent savoir reconnaître les moments les plus importants de leur histoire. Et surtout, reconnaître les hommes à qui elles doivent ces moments-là. Le roi a joué le premier rôle dans le plus beau moment de l'histoire espagnole, cette nuit-là, le 23 février 1981. Juan Carlos a-t-il vraiment sauvé, à lui tout seul, la démocratie ? Un pays entier, en tout cas, décide de se raconter cette histoire. Gilles Tremlette est le correspondant du Guardian à Madrid depuis les années 80. Pour éviter le retour du pire, il fallait que le roi, comme institution, ait une image forte. Et c'est à ce moment-là qu'un pacte a été passé entre la presse, les politiques et la couronne elle-même pour construire une image du roi comme celle du sauveur de la patrie, pour faire de lui un homme quasi parfait. Et c'est cette image idéale que les petits Espagnols continuent d'apprendre dès leur plus jeune âge. Valladolid, une cérémonie de remise de prix scolaire. On récompense les lauréats du concours national. C'est quoi un roi pour toi ? Comme partout en Espagne, chaque année, des dizaines d'écoliers sont réunis avec leurs parents pour ce rituel autour de la monarchie. Celui qui va représenter la communauté de Castille et León pour le grand concours du roi à Madrid, c'est... Je fais monter un peu le suspense. C'est Cristina XVI Araus. À la tribune, le représentant de l'éducation nationale. Car ce concours est parrainé depuis 38 ans par le ministère. Ses travaux sur le roi sont réalisés en classe, sous l'égide des professeurs. C'est d'ailleurs le représentant du ministère qui vient féliciter les enfants pour leur découpage. J'ai mis toutes les phrases importantes que le roi a dites. Très bien. C'est quoi ta phrase préférée ? Celle-là. Il faut aider les chômeurs et leurs familles. Très bien. Moi, je l'ai fait comme un super-héros qui sauve l'Espagne de la crise. Avec lui, le chômage se termine et il y a plus d'argent dans les écoles. Très bien. Un concours d'écoliers qui tient clairement du culte de la personnalité. Je pense que le roi n'aime pas trop l'argent. C'est ce qu'on t'apprend à l'école ? Oui. On apprend que c'est quelqu'un de très humble, de très proche du peuple, et qu'il peut nous aider en tout. Et c'est ton professeur d'histoire qui t'apprend ça ? Oui. Et qu'est-ce que tu en penses ? C'est bien, parce que j'adore l'histoire et j'aime apprendre des choses sur l'Espagne. Un souverain modeste et proche de son peuple, une famille unie, un roi sauveur de son pays. C'est la propagande d'État au menu dans toutes les écoles. Une histoire officielle, digérée par plusieurs générations et que personne jusque-là n'avait remise en question. Jusqu'à ce fameux safari. 18 avril 2012. De retour du Botswana, Juan Carlos se fait opérer ici après son accident de chasse. Face à l'indignation, il a compris qu'il fallait un signe fort. Votre Majesté, comment vous sentez-vous, s'il vous plaît ? Ça va mieux. Je veux remercier tout le personnel médical et la clinique pour ses soins. J'ai hâte de retourner à mes obligations.
et je suis vraiment désolé. J'ai fait une erreur, ça ne se reproduira plus. Des excuses royales, un fait sans précédent dans l'histoire de la monarchie. La scène va frapper l'opinion, mais il est trop tard. Signe des temps, pour la première fois, le roi est tourné en dérision. Votre Majesté, comment vous sentez-vous ? Très bien, merci. Je suis désolé. Je m'excuse d'être tombé. Ça ne se reproduira plus. La prochaine fois, je regarderai où je mets les pieds. Le roi, objet de caricature, chose impensable, il y a à peine quelques mois. Silence sur le plateau. Moteur, action. Nous sommes sur le plateau de Polonia, à Barcelone, une émission satirique catalane. La première, et encore la seule, à oser parodier le roi. Le sketch d'aujourd'hui met en scène Juan Carlos et sa fille. J'ai pas envie de donner mon argent aux impôts. En plus, c'est un argent que j'ai gagné à la sueur du front de tous les Espagnols. Il y a sûrement moyen d'avoir des déductions. Regarde, il y a peut-être une case « Empêcher un coup d'État ». Joan Rufas est le scénariste de l'émission. Après l'affaire du safari, son personnage du roi a fait exploser les audiences. Je ne voudrais pas nous donner une médaille, mais je crois que notre émission a normalisé la monarchie. En mettant en scène le roi toutes les semaines, en faisant des gags sur lui, en le caricaturant sur sa situation politique, ça a changé la donne. Et ça a donné la possibilité aux gens de parler sans avoir peur. Dans la foulée, la presse espagnole se lâche, elle aussi, et révèle tous les petits secrets du roi. Comme cette femme, Corina, dont le visage apparaît un peu partout. La mystérieuse amie du roi, titre Vanity Fair. Elle serait, d'après le journal, une des maîtresses de Juan Carlos. Elle était avec lui au safari. Corina, une princesse allemande travaillant dans la com, dans les soirées ou même les voyages officiels, elle n'est jamais très loin du roi. La princesse Corina vivrait depuis plusieurs années en Espagne. Elle aurait même sa maison à quelques kilomètres de la Zarzuela, le palais où vivent les rois. Une petite villa aurait été aménagée à Monte del Pardo, dans une propriété royale. Gérée par le patrimoine national, l'endroit est entièrement clos et interdit au public. Bonjour, c'est ici la maison de Corina ? Non. La princesse n'habite pas ici ? Non, vous êtes à Monte del Pardo. Ah, pourtant, on m'a dit que c'était ici, qu'elle habitait là. Elle habite où, alors ? Non, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. C'est quoi, alors, ici ? Ici, c'est Monte del Pardo. C'est une zone réservée. Réservée pour qui ? Pour les animaux. Mais les voisins qui passent par là semblent en savoir un peu plus. Pardon, monsieur, vous savez où est la maison de Corina ? Oui, c'est au fond, tout droit. Comment vous le savez ? Ici, c'est un village. Et dans un village, on sait tout. Les gens vivent ici depuis toujours. Ils parlent entre eux. On voit les voitures officielles qui passent, avec des vitres teintées. Tout le monde le sait, en fait. Tout le monde savait que Corina vivait ici et que le roi venait la voir ? Oui, une grande partie des gens le savaient. Et ceux qui ne savaient pas, ou du moins ne le disaient pas, c'était par pure discrétion. Voici une vue aérienne de la propriété. La maison, où logerait Corina, à quelques kilomètres de là, le palais où vit le roi. Les deux font partie du même domaine, une zone protégée et réservée aux chasses royales. La princesse Corina y serait donc logée, aux frais de l'État. Très loin de cette image d'un couple uni, le roi et la reine seraient, d'après la presse, séparés depuis des années. Et ça n'est pas tout. Juan Carlos aurait aussi des enfants cachés. La Bisbal, une petite ville en Catalogne. Alberto Sola prétend être le bâtard du roi. C'est sa mère qui lui a confié son secret. Elle aurait connu Juan Carlos dans sa jeunesse. Alberto n'avait aucune preuve de cela, à part une certaine ressemblance. Jusqu'au jour où une femme l'appelle. Ingrid est belge, il ne la connaît pas.
Elle affirme, elle aussi, que Juan Carlos est son père. Je ne lui ai dit qu'une seule chose. Si Juan Carlos est votre père, alors faisons un test ADN ensemble et le résultat sera positif. Je ne la connaissais pas, je n'avais même jamais vu son visage. Je lui ai juste parlé par téléphone. J'ai envoyé mon ADN dans un laboratoire. Ingrid a fait la même chose. Le test est réalisé. Et le résultat est positif. D'après ce test, Alberto et Ingrid ont le même père. Ils sont frères et sœurs. Alberto demande alors à la justice de réaliser un test de paternité sur Juan Carlos. Le jugement tombe. Le roi ne fera aucun test. Un seul argument est invoqué, issu de la Constitution. Inviolabilité de la personne du roi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit facile, non. J'ai même été étonné que le jugement soit aussi rapide. Mais que la juge dise ça dans ces termes, ça m'a étonné. Elle aurait pu rejeter ma demande en disant « Vous n'avez pas assez d'arguments, le dossier n'est pas assez solide. » Ça m'aurait fait mal, mais ça m'aurait paru logique. Alors que là, elle a utilisé un argument d'intimidation. Alberto ne fera jamais partie du clan. Les Bourbons, une famille lourde de ses secrets. Le premier de tous, c'est peut-être l'argent. Quel est leur train de vie réel? Combien coûte-t-il vraiment aux Espagnols? Officiellement, la famille royale ne possède rien. Elle n'a pas de patrimoine privé et ne vit que des salaires versés par l'État. L'Espagne met à sa disposition 5 palais, dont celui de Palma, dans les Baléares. Voilà le fameux palais devant lequel la famille pose chaque été pour les photographes. Le palais de Marie Vent. 33 000 mètres carrés de jardin, une trentaine de pièces. Il n'existe aucune image de l'intérieur. Biel Barceló est un élu de la région. Il a accès aux comptes royaux. Tout ça, les rois ne le paient pas. C'est de l'argent public, c'est le budget des Baléares. C'est donc nous, les habitants de Palma, qui le payons de nos poches. Chaque année, le budget du palais tourne autour de 2 millions d'euros. La somme inclut l'entretien du palais, le personnel, les jardiniers, les femmes de ménage. Au total, 23 personnes fixes travaillent ici toute l'année, pour un usage de 2 mois, grand maximum. À Palma, la famille royale dispose aussi d'un joli jouet, le Fortuna, un bijou qui a coûté 21 millions d'euros. Avec la crise, ce genre d'image faisait mauvais effet. Alors depuis 2 ans, le yacht a été mis au garage, à l'abri des regards. Ils n'ont jamais été une famille modeste. C'est une famille qui est habituée à un énorme train de vie. Ici, on les voit vivre et on sait bien que c'est le contraire d'une famille normale. Ils vivent dans le luxe, ils font partie de la jet set. Des vacances de luxe, combien coûte la famille royale le reste de l'année? Pendant 38 ans, le budget de la couronne a été tenu secret. Mais en juillet 2012, après l'affaire du safari, le roi décide de faire un geste. Sur son site internet, il publie, sur une seule page, les budgets des 4 dernières années. En 2012, la famille royale aurait reçu 8 200 000 euros de l'État. Nous nous sommes intéressés au budget d'une autre couronne, celle d'Angleterre. Sur son site internet, elle annonce 39 millions d'euros annuels. Mais le budget est détaillé sur 77 pages. Consommation d'électricité, salaire du personnel et même vin et liqueurs servis à Buckingham. La monarchie espagnole est-elle vraiment moins chère? Son budget serait en réalité 10 fois supérieur à celui que le roi avance. Le Parlement à Madrid. Vous êtes la honte du monde démocratique. Joan Tardà est un député catalan. Il est le seul en Espagne à oser dénoncer l'opacité des comptes royaux. Pour lui,
La somme déclarée par le roi ne représente qu'une petite partie de son budget réel. C'est en quelque sorte leur argent de poche pour leurs frais. En fait, il faut ajouter tous les autres budgets qui les financent de l'extérieur et qui viennent d'autres ministères. Ces budgets-là, on ne les connaît pas. Par exemple, tout ce qui est financé par le patrimoine national, l'utilisation de leur palais. Tout ce qui concerne leur sécurité, les gardes du corps payés par la défense et l'intérieur. Tout ce qui est transport, voyage à l'étranger, logistique, etc. Joan Tarda a fait ses comptes. Pour lui, la monarchie coûte chaque année 100 millions d'euros. Un chiffre impossible à vérifier. Aucune institution ne contrôle les comptes royaux. Alors tous les ans, lors de la discussion du budget, Joan Tarda sort sa liste de 100 questions sur le coût de la couronne. Comment le roi partage-t-il l'argent entre chaque membre de sa famille? Quels sont ses biens propres? Sur quels critères le gouvernement détermine-t-il le montant du budget pour la famille royale? Mais en 20 ans de questions, pas une seule réponse du gouvernement. Leur seul argument, c'est toujours le même. Constitution, constitution, constitution. Ils la lèvent comme si c'était le Coran, ou alors la Bible. La Constitution, encore, garante du secret. L'article 56 dresse un rempart autour du monarque. La personne du roi est inviolable. Il n'est pas sujet à responsabilité. Le monarque est au-dessus des lois. Il n'a de compte à rendre à personne, ni au Parlement, ni à la justice. Le roi est intouchable, mais pas sa famille. 23 février 2013, c'est un nouveau coup dur pour l'image de Juan Carlos. Son gendre est dans le collimateur de la justice. Accompagné de son avocat, il est convoqué devant le bureau du juge. Poursuivi pour avoir détourné 8 millions d'euros d'argent public, il risque la prison. C'était pourtant le gendre idéal. Un sportif de haut niveau, capitaine de l'équipe de handball, médaillé olympique à Atlanta. Le 4 octobre 1997, le jeune Basque épouse Christina, la fille cadette du roi. Ce jour-là, le monarque l'anoblit et lui donne le titre de duc de Palma. Sport et royauté, le gendre du roi va marier les deux pour gagner beaucoup d'argent. En 2004, il crée une fondation, Nous, domiciliée dans cet immeuble de Barcelone. Une fondation à but non lucratif, censée promouvoir l'image de l'Espagne en organisant des événements autour du sport et du tourisme. Nous vend des événements à des collectivités publiques. Puis l'argent est transféré dans une myriade de petites sociétés satellites bâties autour de Nous. La fille du roi, femme du duc de Palma, est propriétaire de l'une d'entre elles, Aizun. Nous lui envoie régulièrement des virements importants. Nous allons nous intéresser à un des événements organisés par la fondation. Novembre 2005, à Palma, Nous vend un forum sur le tourisme et le sport. Voilà les rares photos qui existent de l'événement. Quelques invités, le gendre du roi préside les débats. Nous avons retrouvé la facture de ce forum. Pour 2 jours de discussion, Nous a touché 1 200 000 euros. Tony Diegues est un élu socialiste des Baléares. À l'époque, il se rend au forum organisé par le duc de Palma. Il comprend tout de suite que la somme est disproportionnée. Le prétexte était un débat d'experts sur les liens entre le tourisme et le sport. Il faut croire que les experts ne l'étaient pas vraiment ou qu'ils n'ont pas assez débattu, parce que les conclusions étaient on ne peut plus simplistes. 1 million d'euros pour faire une photo, ce n'est pas justifiable.
Alors on s'est dit que si un forum était aussi vide et qu'il était si cher, sans aucune facture, aucune dépense, rien qui permet de le justifier, c'est qu'il se passait quelque chose de bizarre. Vous croyez que le duc de Palma se sentait intouchable ? Oui, sans aucun doute. Quand une personnalité publique, comme lui, demande de l'argent public à une administration, c'est-à-dire de l'argent qui vient des impôts des gens, pour un événement dont il sait très bien qu'il ne le vaut pas, parce qu'il le savait très bien, il se situe délibérément en dehors des règles. Des règles qui devraient d'autant plus s'imposer à la famille royale. Pourquoi une collectivité publique offre-t-elle de telles sommes aux gendres du roi ? Voici l'ancien patron de la région, Jaume Matas. C'est lui qui a financé le forum du duc de Palma. Mis en examen, il refuse de répondre à nos questions. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas parler ? Vous pourriez vous défendre, donner votre version des faits. Non, non, je ne peux pas, vraiment. Non, je ne peux pas, je suis désolé. Il faut dire que sa dernière interview à la télé lui a coûté très cher. Devant la caméra, Jaume Matas va admettre un traitement de faveur pour le duc de Palma. L'époque des privilèges n'est pas révolue. Si à la place du duc de Palma, c'était monsieur tout le monde qui vous avait proposé ce congrès. Dans ce cas, on serait passé par un concours, on aurait fait un appel d'offres. Mais avec le duc de Palma, non. C'est le duc de Palma. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais enfin, c'est le duc de Palma. Il porte le nom, il a un titre, c'est un duc. Alors nous ne sommes pas égaux devant la loi, devant un président de région. Nous ne sommes pas égaux. Je vous mentirais si je vous disais autre chose. Nous ne sommes pas égaux. Votre monsieur tout le monde, je ne sais pas si je l'aurais reçu. Je n'aurais sans doute pas eu le temps. Mais le duc de Palma, évidemment, je le reçois où il veut, quand il veut. Un début d'aveu, l'interview a été versée au dossier judiciaire. Le gendre du roi profite de sa position pour obtenir de l'argent public. Il généralise la combine et l'étend sur toute l'Espagne. Parfois, il ne se donne même pas la peine d'organiser des forums bidons. Il se fait payer des prestations qui n'existent tout simplement pas. Il reçoit par exemple 120 000 euros de la ville de Madrid pour un logo sportif qu'il ne dessinera jamais. En seulement 5 ans, le gendre du roi aurait détourné 8 millions d'euros d'argent public. Il entraîne avec lui, chaque fois un peu plus, la fille du roi. Que sait l'infante Cristina des affaires de son mari ? Ensemble, le couple a acheté une belle maison dans le quartier le plus chic de Barcelone. Voilà les photos diffusées par l'agence immobilière juste avant la vente. Valeur totale, 8 millions d'euros. Une somme incompatible avec les revenus que le couple reçoit du budget royal. C'est cette maison qui va mettre la justice sur la piste de l'infante. Mais il y a d'autres éléments. Virginia Lopez est l'avocate de Manos Limpias, une association anticorruption classée à l'extrême droite. C'est la seule partie civile dans ce dossier. Pour elle, les indices contre l'infante sont accablants. Elle a connaissance de toutes les affaires de son mari et les preuves sont là, dans le dossier. Elle est porte-parole de l'Institut Nous, c'est dans les statuts et c'est un poste qu'elle accepte volontairement. Son nom, sa signature, son image ont été utilisés pour obtenir des marchés avec les collectivités publiques. L'infante est représentante de Nous et propriétaire d'une de ses sociétés satellites. Pour la justice, c'en est trop. Le 7 avril 2013, c'est un coup de tonnerre. L'infante Cristina est mise en examen. Jamais la justice n'avait osé s'approcher si près de la famille du roi. Mais un mois plus tard, marche arrière. La mise en examen est annulée à la demande du parquet. Un acte rarissime. Sur 17 personnes mises en examen, c'est la seule à être blanchie avant même d'être entendue. José Castro est le magistrat qui a mené l'enquête.
Juste une question. C'est compliqué d'enquêter sur la fille du roi? Disons que c'est pas facile. Ça a été difficile pour vous? Oui, plutôt. Vous avez subi des pressions? Non, non, aucune pression. Depuis, Christina et son mari ont été mis au ban de la famille royale. Seule sortie récente, une visite à l'hôpital au chevet de Juan Carlos. Sur le site internet de la monarchie, il existe bien des photos de l'infante lors de ses activités officielles. Mais elles datent toutes de 2011. Quant à son mari, le duc de Palma, son nom a tout simplement été effacé. Mis en examen, il risque 10 ans de prison. Son procès devrait commencer dans les prochains mois. Juan Carlos est pour l'instant épargné par ce scandale. Mais après sa fille, une autre de ses proches, la fameuse Corina, serait-elle aussi impliquée par le duc de Palma? Nous avons récupéré un échange de mails. Le gendre fait des affaires avec l'ami du roi. Chère Corina, comment vas-tu? La saison de la chasse, c'est de la folie. Ce serait intéressant de concrétiser ce dont on a parlé. Gros bisous. Cher Iñaki, j'ai eu une réunion très intéressante avec le patron de ma société. J'ai proposé un salaire pour toi de 200 000 euros. Tendresse. Chère Corina, j'ai oublié de t'envoyer mon RIB. Merci encore et gros bisous. Iñaki. Un scandale de plus pour la famille royale. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Cae mierda sobre el rey, cae mierda sobre el rey, pero yo no me mancho, me ampara la ley. Y aunque salga en mil mails, no me llamará el juez, no hay huevos, porque yo soy el rey. La famille royale ne s'est jamais exprimée sur ces affaires judiciaires. Ce jour-là, nous retrouvons le prince héritier. Il inaugure une exposition de photos. Prince, bonjour. Une question pour Canal+. Qu'est-ce que vous saviez des affaires de votre beau-frère? Pourquoi est-ce que vous ne vous exprimez jamais sur ces questions? On sort maintenant. On sort. On doit sortir. Maintenant. Pardon. On va se parler. Petit moment de panique. La séance est interrompue à cause de notre question. Les journalistes sont évacués. Nous sommes pris à l'écart. Attends, toi tu restes là une seconde. Quoi, je ne peux pas poser de questions? Écoute-moi bien, c'est très simple. Vous êtes là pour faire des images. Les journalistes, vous restez derrière et vous ne dites rien. Les caméramans, les photographes travaillent. C'est des points muets. Tu as déjà vu un de tes collègues poser une question? Mais pourquoi il n'y a pas de question? Parce que dans la Constitution, les rois ne peuvent pas répondre. C'est écrit nulle part dans la Constitution. Écoute, la famille royale ne fait pas de déclaration. Pas de déclaration, pas de compte à rendre. La famille royale reste sur sa ligne, au risque de perdre pour de bon son contact avec le peuple. Dans la rue, ils sont désormais des milliers à rejoindre les rangs de ceux qui manifestent contre la monarchie. L'Espagne redécouvre le drapeau à bandes violettes de la République. España, mañana será republicana. En tête de cortège, les jeunes. C'est la génération de la crise. Pour elles, Juan Carlos n'est plus le père de la nation, mais le parrain d'une monarchie mafieuse. Aujourd'hui, plus de la moitié des Espagnols réclament une nouvelle constitution, sans roi. La monarchie nous a beaucoup volé et nous a beaucoup trompés pendant des années. On veut récupérer ce qui est à nous, on veut une république qui nous représente tous. On veut quelque chose qu'on a choisi nous-mêmes. Partout en Espagne,
des fêtes républicaines sont organisées. Nous retournons dans le quartier de Juanjo, le chômeur déçu par le roi. Ici, on a même sorti la guillotine, symbole de cette envie nouvelle, en finir avec le régime. À tous ceux qui veulent la révolution, aux républicains, aux démocrates, à bas la dictature, vive le peuple et mort au roi. Un pays sans roi, la rue gronde. Mais la classe politique ne bouge pas. Les grands partis, de droite comme de gauche, continuent de penser que le roi est indispensable à l'équilibre du pays. Ça nous va comme pays. C'est un régime qui nous convient. Nous sommes un pays très jeune démocratiquement. On avait un retard de 30 ans sur l'Europe. Et on a rattrapé ce retard en quelques années. Et c'est grâce au roi. Alors, ne prenons pas de risques. Notre démocratie ne peut se comprendre qu'avec la monarchie. Et ça pèse lourd. Très lourd. Suffisamment pour dépasser les turbulences difficiles que traverse la monarchie en ce moment. Et qui seront surmontées, j'espère, dans quelques temps. Des turbulences sévères qui auraient même amené Juan Carlos à envisager une abdication au profit de son fils Felipe. Pour sauver sa peau, la monarchie a décidé de tout miser sur le prince héritier. À 45 ans, il est systématiquement mis en avant et commence à se faire une place parmi les grands. Je suis très fier de ce que Felipe est devenu. C'est un homme éduqué et accompli. Séduisant, moderne, Felipe pourrait-il remplacer son père et sauver la monarchie? Pas sûr. Ce jour-là, nous sommes à Barcelone. Felipe et Laetitia sont attendus à l'opéra. Sortie de voiture. Parmi les applaudissements, on entend les premiers sifflets. Deux simples badauds. Le couple encaisse en souriant. Mais pour le service de sécurité, c'est inhabituel. La traditionnelle séance de photos est annulée. Ok, ils poseront pas, c'est tout. Sous les dorures, l'impensable va se produire. Cette fois, c'est la bonne société qui siffle. Regard incrédule du couple princier, qui réalise, peut-être à cet instant, que même les monarchies sont mortelles.